Oh non! C'était le petit déjeuner! Les cochons étaient plus rapides pour le petit déjeuner. Faites-les descendre! Mince alors! Tout le lait est renversé! On peut vous aider? Oui, vous pouvez retourner à l'étable pour aller chercher à nouveau du lait. Et je nettoie la table. Avec plaisir! Eh oh! Y a quelqu'un? Il n'y a personne à part vous deux. Oh! Comme tu es mignon! Mais c'est quoi ce truc? Eh oh! Il y a quelqu'un ici? C'est une crayeuse avec laquelle les vaches sont faites automatiquement. Oh! Vraiment? Oui, vraiment. Le lait est aspiré des mamelles par une pression pulsée. C'est un peu comme quand on boit de la limonade avec une paille. Vous créez alors également une pression avec votre bouche et le liquide est aspiré à travers la paille. Et ça ne fait pas mal à la vache? Non, pas du tout. C'est comme quand le veau tète les mamelles. Mais pourquoi la vache donne du lait? La vache ne donne du lait que lorsqu'elle a un veau, car le lait est en fait pour... Les petits veaux! Oui, exactement. Est-ce qu'on ne prend pas le lait des petits veaux alors? Non. Un petit veau boit environ 6 litres de lait par jour. Mais une vache peut en donner beaucoup, beaucoup plus. Oui, un chelet donne parfois jusqu'à 26 litres de lait par jour. Ça représente deux de ces bidons de lait, là. Waouh, ça fait beaucoup. Nous pouvons en avoir un peu pour le petit-déjeuner? Oui, bien sûr. Voici le lait, tout frais sorti de la vache. Super, vous voilà de retour. Je vais faire chauffer le lait et vous pourrez commencer le petit-déjeuner. Oh oui! C'est un peu dommage que les cochons ne soient plus là. Ils étaient très rigolos. C'est toi qui es rigolo, Robert.